Salut, abonne-toi ou je te mange. Les gars, j'espère que vous allez bien. L'intro ne va pas durer une demi-heure, ne vous inquiétez pas. Les gars, je vous laisse avec la vidéo, likez, abonnez-vous si ça vous plaît et let's go. Donc comme vous voyez, dans le gameplay, je suis en train de casser la moto les gars, parce que pour ce glitch, tout simplement pour enlever la limite de vente, il va falloir un véhicule, tout simplement le véhicule que vous voulez vendre, tout simplement en premier, et il va falloir le casser les gars, faire entre 100€ et 300€ de dommages tout simplement. Donc si vous avez moins de dommages sur le véhicule, ça ne va pas fonctionner. En fait les amis, il faut qu'il y ait la case tout simplement, donc faites en sorte qu'il y ait la case tout simplement, réparer le véhicule et vendre en dessous les amis. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer tout simplement sur vendre. Et à très très rapidement faire en ligne. Éditeur tout simplement, donc faut encore avoir le rond jaune vers... dès que vous êtes, hop maintenant, faut encore avoir le rond jaune tout simplement les amis. Si ça marche, c'est que vous avez réussi tout simplement la technique, donc vous attendez, le rond va être glitché, des fois le rond en bas à droite va être jaune, des fois il va être blanc. Si ça fait ça, c'est que c'est bon, sinon vous retentez, tant pis les amis. Du coup les gars, vous pouvez voir que dans le gameplay j'ai réussi tout simplement. Une fois que vous êtes dans le mode éditeur, vous faites start en ligne et vous faites jouer à GTA 5 online et session sur invitation. Du coup les gars, je vous fais un petit accéléré les amis, on va se retrouver dans mon garage, let's go. Du coup les amis, une fois que vous êtes dans votre garage, tout simplement, vous allez prendre n'importe quel véhicule, tout simplement, c'est pas à moi de choisir, c'est à vous les gars, un véhicule que vous voulez vendre, puis après vous faites cette technique là, infinie, du coup je répète, vous prenez ce véhicule là, pour ma part je vais juste le vendre, normalement tout simplement, je vais pas faire la technique, après je sais plus les gars, parce que le gameplay je l'ai tourné il y a au moins 2-3 heures, donc je sais plus trop ce que j'ai fait les gars, donc là je vous parle un peu à l'aveugle, je crois que j'essaye de refaire la technique mais je réussis pas parce que j'ai pas un bon timing, enfin bref les gars, je vous laisse voir, let's go. Du coup les gars, là je vais juste casser le véhicule tout simplement, donc là hop, dès que j'ai vu que j'ai cassé le pare-brise arrière, j'ai tout de suite compris que c'était suffisant, tout simplement entre 150$ et 300$ il faut faire de dommages. Les gars, du coup, soit vous faites la même manipulation que moi, du coup vous refaites pareil, vous faites vendre le véhicule et tout de suite start en ligne éditeur directement, ou soit directement vous le vendez et puis vous, voilà, vous avez vendu deux véhicules en 2-3 minutes. Donc les gars, c'est à vous de choisir si vous faites la technique en infini ou si vous vendez, vous faites juste une fois la technique pour après revendre un véhicule normalement. Du coup les gars, là on est dans le mode éditeur, vous faites directement start en ligne, jouer à GTA 5 online et session sur invitation, voilà c'est très très simple. Donc les gars, je vous mets un accéléré pour vous montrer que je n'ai pas réussi, j'ai pas eu le bon timing tout simplement quand j'ai fait start en ligne éditeur. Bah j'ai pas été assez rapide, du coup les gars, vous pouvez voir que je ne peux plus vendre de véhicules, je suis obligé d'attendre 25 minutes. Donc les gars, en attendant, je vais vite fait vous montrer mes tenues, vous pouvez voir, hein, j'ai celle-là, 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 celle-là. Celle-là, celle-là, l'Alien, Alien 2, et Pogo, et après Galaxy, et après celle que je vous ai montré au début. Du coup les gars, let's go, dès que vous avez votre véhicule, vous allez du coup vous diriger vers le Los Santos Custom. Et tout simplement les amis, pour ma part, ça n'a pas marché tout simplement parce que j'ai pas eu un bon timing. Du coup vous allez pouvoir voir qu'il y aura marqué, nous n'avons pas besoin de véhicule pour le moment. Faut vraiment être rapide en ligne, éditeur, dès que vous avez vraiment vendu le véhicule. Donc là les gars, je vais le casser un peu parce que dans ma tête c'était c'est bon, ça va marcher, je vais pouvoir vous montrer. Mais clairement pas les gars, j'ai clairement pas réussi, ça n'a pas marché. Enfin vraiment les amis, j'étais deg sur le coup. Mais c'est pas grave les gars, c'est quand même deux véhicules vendus en quelques secondes les gars. La manipulation est très rapide. La vidéo du certes dure 3-4 minutes, mais vraiment les gars, si vous le faites chez vous, ça vous dure vraiment pas 3-4 minutes. Du coup les gars, vous allez pouvoir voir là, je vais faire vendre et remarquer, nous n'avons pas besoin de véhicule pour le moment. Du coup les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker les gars, bah si c'était sympa tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était moi tout simplement les amis, allez bye.